des amis, ici je suis à 5 barres. Et puis là, je vais faire le branchement de tuyau. Voilà. Donc, maintenant j'ai la vanne qui est ouverte. Donc, je vais essayer de monter. Encore. Encore. Barres, jusqu'à 6 barres. J'entends le bruit. Oui, donc c'est sur le raccord. Donc les amis, là j'ai mis la pression légèrement moins de 6 barres. Donc là, je vois que l'aiguille descend. Donc, il doit y avoir une micro-fuite. C'est ça le problème. On a du mal à trouver toujours une micro-fuite. Donc, ça peut être soit ici ou soit sur les joints. Donc, ici, bon. Ici, je trouve rien du tout. Là. Et toi? Si je sais que j'ai rien. Là ça fait des boules. Ouais, donc c'est là où ça fuit un petit peu. Bon les amis, de retour après 1 heure. Là on fait juste une dernière vérification. Sincèrement, j'ai aucune fuite. Voilà, je l'avais fixé à 6 barres. Si j'arrive à vous montrer, voilà, si je me mets devant comme ça, voilà, je suis à 6 barres. Il est resté là où il est, aucun problème. Donc, compresseur de kiloto, ça fonctionne bien, les amis. C'est pas là ce que je veux vous dire, c'est pas une publicité, mais franchement, je connais pas ce marque-là, Maguyère, Moguyère, je sais pas comment ça se dit ça. Je l'ai loué ce matin chez Kiloto, ça vaut moins cher. Mais franchement, c'est génial. C'est génial. Donc, malgré ma tasse de bouteille, franchement, j'ai pas de souci. C'était juste pour être sûr, avoir voilà, une confirmation avec un appareil, qu'il n'y a pas de fuite, quoi. Donc là, tout va bien, les amis. Là, j'ai aucun souci. Donc, c'est parti maintenant. Le démontage. Je vais tout démonter ici. Je vais raccorder le tuyau d'en haut. Alors ça, ce tuyau-là. Elle va comme ça, hop, au fond, elle monte dans les 3 étages au-dessus. Donc maintenant, je vais monter la compresseur au-dessus. Je vais la faire brancher directement sur le PC gaz, un 1521. Comme ça, tout le reste du réseau, il va être isolé. Et puis ça va permettre de voir s'il y a une fuite quelque part. Donc là les amis, on est branché sur le PC gaz. On va laisser en attente de à peu près 6, on peut dire 6,1. Parce qu'il y a toujours un petit peu de pression qui peut descendre, mais on va laisser sur le 6,1. En attendant, je vais faire un tour de la maison. C'est pas encore fini les amis. On a une colonne de gaz qui monte par là, mais ça, cette partie-là, il va être comme une chambre. Donc, ça, on a mis l'entrée d'air par sécurité, mais sinon, il n'y a pas de souci. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Alors, on a une colonne au troisième.
Au troisième étage, on a un autre PC gaz. Donc, qui est ouvert aussi. Donc, pour le moment, tout est en pression. Donc, on va voir combien de temps encore ça dure. On va laisser environ 2 heures pour voir la différence. Franchement, les amis, c'est très très bien fait. Magnifique. Magnifique.